Abu Hurairah radiallahu anhu dit, fais vite avec ce banjanaza. Si ça dit moun kin mou la tienne mauvais dit moun, sorry, si ça dit moun kin mou la tienne bon dit moun, alors je pourrais mener vite bien, vers la place que tu mérites. Et si ça dit moun kin mou la tienne mauvais dit moun, alors je peux débarrasser un mal depuis, je te épaule. Alors je peux débarrasser le mal depuis, je te épaule. Nous répondons. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, chers frères, aslihu bil janaz. Fais vite avec janaz. En d'autres mots, c'est pas seulement quand on peut lever le de janaza, ensuite qu'il est pour faire maillette. Ah ben, il finit par rester 9h05 là. Il n'y a pas de non. Haditha, il commence depuis la personne décédée. Fait vite, les autres. Parce que qui fait. Parce qu'il peut faire une action qui nous fait drôle, frère. L'inmo aujourd'hui, Nevir, quand on a mangé, quand nous voulons manger, demain, Zohar. Ok là? Je vais faire un instant quand matin tout. Le temps mené Zohar à se lever midi, aller à l'Almazid, qui vous avez fait avant là? Fait Zohar avant. Comment Zohar, imam fait sa lampe? Ben frère, et comment le prophète dit, vous avez fait vite avec Janaza, nous faisons un Janaza là, vite, vite, ensuite nous faisons. Tu peux finir ton 12e temps? Tu ne finis pas de 15e temps là. Si ça bout là, là, pas besoin de faire sur note, nous faisons un Janaza là. Regarde bien ce que nous pouvons faire. Mais ça 15e temps là, tu peux finir ton de lui. Nous avons tendance qu'il est retard, c'est juste quand il rentre dans Mazid, ce qui arrive sur la Manzanaza. Le retard commence depuis qu'il est décédé. Je te vais attendre ce gosse, on rentre dans le volet, je disais, c'est grand matin. Ça qui est le retard là. Parce qu'il te tient à toute chance, 11h30 finit au terrain là. Tant que par minuit, tu te tient à toute chance. Hadith que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, pas rentrer ce ban mot le soir, parce qu'à cette époque-là, pas tient à la lumière. Donc, pour pas mettre difficulté, le ban di moun qui vous venez, bien aujourd'hui, nous avons facilité la frère. Qu'il soit le chemin, qu'il soit parking, qu'il soit à l'intérieur. Mon papa dit que cette action, faire namaz janaza avant ce nat là, n'est pas bon. Il est bon, hein? Mais seulement qui fait nous concentrer sur sa bout là. Qui fait ton petit lève maillette là 11h30. Toi arrives mazid midi, tu fais la manzanaza là, tu as l'enterré, après tu viens te faire Zohar et nir. Ton petit lève 11h15. Malheureusement, aujourd'hui, maillette in vin, comment dire, les Nika, après Isha, après Zohar. On va nous fixer. Si on dit maillette pour lever 11h15. 11h15, quand tu donnes l'air comme ça? Mais la cause, il prend 30 minutes pour arriver à la côte Manzid. Midi moins 15, quand midi fini, fait la Manzanaza. Midi, ce qu'il y a Zohar, fini. Dafnao. Fini, nous faisons Zohar, restez, nous retournons. Comparer l'état où lève le midi, après Zohar qui parle Dafna. C'est pour ça qu'il a trouvé dans Djimouné, fait la Manzanaza, après y aller. Donc c'est bonne quelque chose qui nous dit, chers frères et sœurs, nous trouvons les rétors, vins qu'on y rentre dans Mazid. Au fait, depuis l'inmo, tu ne vas pas faire rétors avec lui. Et ça, sans aucun doute, chers frères et sœurs, il y a tasse avec la situation. Il y a tasse avec la situation. Je veux dire, un djimoun inmo, un lamo, comment nous dire, un adulte, douteuse. On trouve ce qu'on vini. Ou vous trouvez banan, venez, vous connaissez, mais si ça avait coûté dans la case, un coup de téléphone, vous avez dit le mot. Et là, vous avez dit bien fort.
Pourquoi on accepte ça comme ça? Donc, ça va rétor là, et vous venez vrai. Mais seulement si tout l'on nous contrôle, du monde a fait mot naturel et je tout connais, tiens, du monde bien malade, le rétor, c'est pas seulement quand il rentre dans masjid, après les namaz. Le rétor devient depuis qu'il est fin, depuis que ce roux fin quitte sur les cours. Qui fait astir? Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu es un bon djimoun, un bon kitchur que je vais faire pour lui. Qui veut dire c'est un bon kitchur que je vais faire pour lui? Vas-y, je peux amener de sa bonne place là. Chers frères, ça montre nous, même un djimoun in mort, quand il a bon kitchur, profite-lui. Même un djimoun in mort. S'il y a un bon djimoun, ça pour bon pour lui te ramener plus vite. Pas parce que pour nous là, hein? Parce que pour lui, sa place qui te peut amener là, mais ça meilleur qu'il continue à rester dans là. Mais seulement, chers frères et sœurs, et si sa personne qui ne meurt là, il partient bon du monde. Et guette bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, guette ce terme arabe tout. Les dire wa in takun siwa un dhalik. Siwa un dhalik veut dire li parti comme un premier là, veut dire li pas comme ça. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam parle de nous un mauvais du monde. Mais si li pas un bon du monde qui li poète. Mais si tant on dirait pour de montrer nous qui caractère li détestable ça qui peut suivre là. Li pas dire nous s'il y a un mauvais du monde. Li dire nous moi seulement c'est li parti un bon du monde. Allô, c'est un le mal qui te peut débarrasser de tes épaules. Ce hadith, chers frères et sœurs, montrez-nous qu'il même un djimoun qui meurt, c'est qu'il peut vivre de désobéissance, il a l'effet de nous, débarrasser avec lui. Mais comment tu fréquentes un mauvais camarade aujourd'hui, quand il est vivant? Ici, il meurt. Vous direz pourquoi Dieu ne pas fréquente lui? Pas fréquente lui. Dans l'inmo, Pédiano, tiens, il vit de deux épaules. Mais s'il est vivant, comment tu es capable de fréquenter un djimoun qui amène toi pour désobéir à Allah? Mais là, chers frères et sœurs, un point bien important. Si un djimoun pose une question, mais vous n'avez pas le droit de dire. Oui, ce péché pour lier qu'à là. Vous n'avez pas le droit de dire. Vous avez dit, alhamdulillah, vrai, d'une bien comprendre. Mais seulement ici, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pas pédia nous zizli, pédia nous protège nous. Tant que nous influencer avec lui. Jamais on trouve un djimoun, il influence un autre, ensuite il est licencié. C'est là qu'on là-bas seulement. Si un djimoun dit où, mais ou pas qu'il y a un droit de dire un autre. Il dit, pas besoin de personne. Il dit, moi, reste-le avec un djimoun qui vit de désobéissance, pas la cause de désobéissance, mais la cause pour prothèse, moi-même, tant que je commence à faire désobéissance, parce qu'il me prend compte pour moi, il prend pour lui. Pour protéger moi, même qui ne dit pas fréquenter d'autres frères. Si ça c'est le cas, quand un djimoun fait mort, comment aujourd'hui nous allons fréquenter un djimoun? De n'importe quelle façon, pas fait namaz, ramadan passé par God Rosa, il y en a qui ont fait des tours du monde, mais Umra Hadji pas intéressé, les causes anglais, causes français, mais tant qu'on a fréquenté un djimoun là, oui, la communauté d'Unia, on dit. Après dunia, il y a un homme qui me fait fréquenter un djimoun comme ça, frère. Nous redire, nous ne pouvons pas dire ça à djimoun. Mais seulement, je vais protéger moi-même pour ne pas influencer avec toi. Donc, ça, c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelle nous, chers frères et sœurs, faire vite avec Janaza. Et quoi nous venons dire? Janaza, c'est pas. Quand il rentre dans le masjid, qui appelle Janaza, c'est le moment qu'il finit de décéder,
pour donner son roussal, pour mettre son kafan là au lit, pour mettre son janaza, pour faire son amazanaza, pour l'enterrer lui, pas choisir les frères. Tant qu'il n'a pas fini, fini faire, plus vite avec lui.